vais voir mon compte, tu l'as vu celle-là? Ça fait longtemps que je l'ai pas eu dans les mains. Je suis du matin au soir, dehors, 5h minuit. Mais là, ces petites soirées téloches, Netflix and chill avec Jojo. Alors, ça me fait penser qu'en ce moment, je vois qu'il y a une petite polémique au cinéma en France par rapport au film Les C'est pas deux et le comportement de certains spectateurs dans les salles. Les gars, on n'est pas en train de faire honneur aux frères. Je dis on parce que je sais que si j'aurais eu 18-19 ans, pris par l'effet de groupe, moi aussi j'aurais foutu le bordel dans cette salle. Mais justement, on est là pour vous donner les bons conseils et je sais que vous n'êtes pas dans la mauvaise intention. Comportez-vous bien dans les salles de cinéma, les gars, sinon ça donne des prétextes pour déprogrammer ce genre de film. Surtout qu'on en a très peu en France des comédies de banlieue qui vont nous représenter et que nous, on va apprécier. Donc si vous en voulez plus, ne leur donnez pas le prétexte pour aller financer des films de pédophiles avec l'argent du CNC, Centre National Culturel. Aidons nos frères en leur donnant le bon comportement, en payant nos places et en leur montrant qu'on est irréprochable et que tout ça, ça reste du cinéma. Je suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais si on peut se conseiller les uns les autres et se tirer vers le haut, autant le faire. Surtout que peut-être que vous comprenez pas les enjeux et que je suis sûr que l'intention, quoi qu'il arrive, c'est de donner de l'amour aux frères. Eh ben, c'est pas la meilleure façon de le faire. Mais il y a d'autres façons incroyables. Je vous embrasse, bonne soirée. Et moi, je vais aller regarder les escrocs de la crypto. Ça m'intéresse. Ces saloperies, là. Putain, Jojo, tu les as bien combattus, quand même. Et tu les as mis au tapis, mon Jojo.